Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les applications sur ce que vous avez vu la semaine dernière, c'est-à-dire les blocages au niveau moyen. Et donc, vous me connaissez maintenant. Bonjour, Cyril Périchard, ceinture noire 4e dame, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, c'est parti. Allez, on y va, Cécile, s'il te plaît. Chingli. Bien, donc là, on voit l'application, on continue, donc ces applications par rapport à ce qu'on voit au niveau de aussi que vous allez voir sur les blocages du Kung Fu. Donc là, on voit sur un blocage toujours long, mais à moyenne distance, d'accord? Et ce blocage-là, donc à moyenne distance, Il y a deux parties sur lesquelles on va travailler. Hein. Il y a trois parties en combat, mais en hauteur, il y a la partie haute qu'on appelle Shang en chinois, la partie moyenne Gong, et après en dessous Xia. Donc là, on s'intéresse sur le Gong, c'est-à-dire la partie médiane, c'est-à-dire plexus, foie, rate, côte flottante, cœur, hein, ce qu'on avait vu la dernière fois justement sur ce fameux blocage. Donc, comme pour la première technique, on va faire en mapu, toujours en mapu. C'est-à-dire qu'on va se placer, on va appeler directement, on va se mettre un peu comme ça, quand on voit bien. I, R, San, Se, ici. Tu peux t'approcher s'il te plaît, fais pas ta timide. Et là, vous allez travailler au niveau du plexus. Plexus cœur, là, ici. Et le travail, plexus, voilà, on va travailler ici un peu plus bas même, si tu peux. Là, vas-y. 1. Vous voyez là, le travail, c'est j'ai un contact. Je ne vais pas chercher. Vas-y, ce contact comme ceci, mais plutôt un contact de biais, d'accord? Ça, c'est important. Après, je n'ai plus, vous voyez, qu'à à peine à pousser, et ça y est, c'est sorti, c'est hors de la cible. Ici, vous voyez, j'ai mon mouvement, contact, j'ouvre. Vous voyez, on refait, j'ouvre, refait, j'ouvre. Là, heure. Ici, sound. Vous voyez, ce, bourre. J'ouvre là, il lio. Regardez, je glisse, tchac, je glisse. Vous voyez mon mouvement, paum, je glisse. C'est important, toujours pareil, plan médian, la cible, je glisse. Extérieur, intérieur, extérieur, pardon. Donc, pensez à ça, et comme je vous expliquais juste avant de biais, pourquoi? Parce qu'on va le voir, si quelqu'un vous rentre en coup de pied, vraiment très fort et remonté, imaginez, hein, j'avais expliqué d'ailleurs, si vous bloquez avec un bras comme ceci, là, vous faites remonter ou vous faites fracturer parce que le tibia sera beaucoup plus puissant que votre radius ou cubitus, d'accord, les deux os donc des avant-bras. D'ailleurs, on va voir l'application sur justement ce coup de pied, sur Tang Tui. Donc tu vas reculer pour changer un peu. On travaille toujours sur les points, là on va travailler sur technique de jambes. Donc là, on va faire un Tang Tui, c'est un coup de pied direct. Les coups de pied, on les verra un peu plus tard hein, en détail. Donc ici, quand on va rentrer dans sa frappe, je recule, vous voyez, 1, et je viens faire mon blocage. On va le refaire, vous voyez, là c'est juste, on peut dire, un travail, vous voyez, hop, de déséquilibre. Vous voyez, j'ai déséquilibré légèrement, hein? Pff, aucune stabilité, on y va. Alors, je bloque ici, d'accord? Alors après, ça vous pouvez le travailler tranquille, c'est pour prendre contact, on sort, vous voyez, on va le refaire une dernière fois, je sors quand même du champ, quand je suis ici, vas-y, là, je sors, d'accord? Bon, mais en même temps, je vais au début, en sortant, hop, donner une petite frappe. Ça permet de déséquilibrer, de désorganiser, comme je dis souvent, l'adversaire. Parce que lui, il s'attend, j'ai frappé, je pose, mais au moment de poser, hop, il y a un petit déséquilibre. Donc ce petit déséquilibre-là, moi, ça me, il faut qu'il se rééquilibre, l'adversaire, pour pouvoir enchaîner autre chose, un contre ou sortir. Eh bien, moi, je vais en profiter. Le combat, c'est du tempo. C'est le timing, c'est le tempo. C'est-à-dire qu'il y a un temps. C'est comme la musique. Un, tac, tac, tac. Et entre ce plac et plac, il y a un temps. Et il faut choper ce temps. Et si on chope ce temps, on fait en sorte que l'adversaire n'ait pas le temps de le prendre, justement, ce temps. Eh bien, moi, je m'en charge. Donc, regardez bien. Ici, vous voyez, blocage. Boum, déséquilibre. Vous voyez, pendant le petit déséquilibre, là, j'ai eu largement le temps de faire autre chose.
Donc maintenant, on va le voir avec des déplacements extérieurs-intérieurs. C'est-à-dire que là, je vais aller à l'extérieur du coup de pied. 1, ici. D'accord? Vous voyez là? Là, ici. Qui? On va rester toujours dans le travail de points. OK? Donc, je viens ici, extérieur. Qui? Là, sa main... Non, je vais enchaîner de suite. Hein. Sa main me gêne. Le fait simplement de me retourner, vous voyez ici, je suis ici, j'ai bloqué. Ma main, je n'ai pas cherché vraiment un blocage. Je dévie, je rentre. Vous voyez, on reprend. Ici. I, mon bras là, de suite, j'ai qu'à lever là, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. Je viens frapper, je cherche presque, même pas à dire je vais bloquer, je me tourne, vous voyez, et simplement ça. Ce qui donne ce mouvement là, je dévie, je rentre. Ok, je peux rentrer encore là. On fait l'autre côté. Ici. Donc là, même blocage. Là, je tourne, vous voyez. Avec mon coude, mon avant-bras, je rentre ici. Le fait de rentrer, j'ouvre tout. Là, elle me présente sa nuque, d'accord. Ou ça peut être l'angle de la mâchoire, tout dépend. Ou encore, comme tout à l'heure, comme pas quand je dis tout à l'heure, c'était la semaine d'avant, même d'avant-avant, les côtes flottantes, tour 1. Donc, je vais refaire une dernière fois ici. Le mouvement, un peu plus rapide, ça tout le monde le verra. Qui, un peu plus rapide. Pardon. C'est rapide, hein, c'est. On se déplace là. On y va. Qui, voilà. D'accord, on reprend. Ça m'a surpris. Et je rentre. Vous voyez là, ici. Ok. Donc, là, pareil, on a retrouvé comme dans les autres techniques. Comme je bloque, je suis vraiment en compo ici, je n'ai plus qu'à faire une rotation complète. Boom, j'ai un maximum de puissance là. J'ai bloqué, j'ai fermé d'un côté et je j'ouvre pour refermer l'autre côté. Il y a ce mouvement là. Et sa maman m'amène ce qu'on appelle le fameux hanche-épaule point. Hein, vous vous rappelez, pour, quand on a travaillé les points, pour ceux qui n'ont pas vu, vous cliquez et vous aurez toutes les techniques de frappe de point hein, avec les explications d'ondulation. Donc quand je suis ici, j'ai toute cette ondulation là. Là, vous pouvez en profiter au maximum. Allez-y à fond, d'accord? Donc là, on voit une autre technique, pareil, mais là, je suis à l'intérieur. Bah, voilà, on est ici, je bloque à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va rentrer ici, on va le refaire, et là, je fais avec le bras avant. Un, bras avant. Là, je suis encore en mapou, vous voyez? Comme la première technique qu'on avait vue, un, mapou, et ici, je rentre de suite, d'accord? Ou en paume, ou en poing. Donc, dans mon mouvement, quand tu veux, bam, je bloque ici. Vous voyez mon bras, il n'a pas à rester là. Quand vous avez bloqué, ne restez pas figé sur un blocage. On revient toujours. Je suis ici, je bloque, je reviens. D'accord? Mon bras là, lui, il ne reste pas en bas. Un peu, par exemple ici, je bloque, je ne reste pas ouvert. Je reviens toujours me replacer pour le combat. Je me protège. Ce qui vous protège, c'est vos mains, vos avant-bras, vos coudes. D'accord? Ça, c'est votre protection. Les déplacements font partie, mais... c'est pas la protection réelle. Donc, il est important ici de penser blocage, je me place et après je rentre. Ok? On fait de l'autre côté. Donc, oui, ici, tu. Voilà, donc on voit bien. Mets-toi là plutôt. Merci. I, ici, vous avez vu? Donc, je reprends. Là, vous voyez, c'est ce blocage qui est là. Allez, je fais pas, vas-y, comme j'avais dit, si je fais de face là, je me fais remonter. D'accord? Si le coup de pied est puissant. Je viens à l'intérieur. Tac, ici. Et de suite après, ma main remonte. Et là, pareil. J'ai son bras. Il y a tout là, ici. Là. Vous voyez là? Et bien, je pousse et je rentre. Ou je peux même prendre. En prenant ce bras-là, même celui-ci, il va partir. Étant donné que je fais tourner l'épaule. Ça passe de l'autre côté. D'accord? Donc, on reprend. Ici. Je bloque. Et quand elle arrive, je frappe. Tu fais un peu plus, un petit peu plus rapide, qu'on voit un petit peu plus lié, quoi. Ici, vous voyez, d'accord? Et ça me permet une autre frappe. Si j'en ai envie, je dégage. Donc, je pense qu'on a vu les deux de technique. Toujours pareil, pensez votre plan médian. Comment? Parle à la caméra. Ah oui, parle à la caméra. Bonjour, caméra. Le plan médian, donc, c'est important de penser comme quand on travaillait en haut, hein, que ce soit en bas, pardon, ou en haut. Vous pensez à ce plan médian. Après, vous glissez. Vous glissez, je glisse, je glisse, je glisse. Et vous voyez, après, ça vous permet de faire n'importe quel contre. Hein? Même, je vous ai fait voir ça, mais amusez-vous à trouver d'autres contres. Et vous me les mettez en commentaire. Vous,
vous me dites comment vous avez travaillé, qu'est-ce que vous voulez voir encore, et puis je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous dis merci et bon entraînement, à la semaine prochaine. Merci.